Comment tu t'es fait ça? Je suis tombée en bas de l'arbre. Mais combien de fois va falloir que je te le dise de pas grimper dans l'arbre, Dolores? Assieds-toi sur la chaise que je regarde ça. Ça fait-tu mal? Combien de fois je vous ai dit de pas courroyer la maison? Oh oui, dors, dors! Non, ne bougez plus pendant 14 secondes. Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. T'as hâte de partir, hein, mon Gio? Tu penses pas qu'il serait l'heure de coucher les enfants?
Taisez-vous. Vous allez réveiller vos petites sœurs. Cette année, je pars avec toi. Cette année, Gior, je pars avec toi. Ouais, j'ai ça, puis t'oublieras pas d'amener mes mains et mes enfants. Salut, Hormidas. Salut. Hein? T'es pas mal prête, mon Joseph Albert. T'es pas mal prête. Ah oui. Maudit orgue. Tu dois avoir tout ce qu'il te faut depuis le temps que tu travailles après ce wagon-là. Faut le temps qu'il faut. Si tu travaillais, je suis ta femme autant que je suis ta charrette. Maudit orgue. Hey, t'es vrai, artiste, toi, Gia. Des fioles par ici, des bébelles par là. Comment tu fais pour te souvenir de tout ça? C'est d'habitude. Ça prend combien de temps pour te rendre jusqu'au Maine? Voyons donc, Lambert, tu le sais bien. Pour l'année passée, ça m'a pris 5 semaines. Cinq semaines. Moi aussi, j'aimerais ça partir. Fais-le en l'air pendant que j'avance. Mets l'autre bout là, pendant que je recule. Ça traîne toute la terre quand tu le fais. Maman, j'aimerais ça. Peux-tu mélanger ça? Pas grave. Va jouer de bon. Je le sais, ma mère, j'ai plus de patience. Et des jours demain. Des jours? Ça fait des années. Ben, voyons. Avancez pas, c'est moi qui avance. Je le sais, vous êtes comme J.A. Vous ne trouvez pas ça correct que je parle. Il n'y a plus rien de vrai entre nous deux. C'est juste si on se regarde. Je te comprends pas. Autant. Ni travaillant. Puis il boit pas. Si tu prenais un coup, il parlerait plus. C'est bon. Il nous fait vivre. Qu'est-ce que tu espères d'un voyage comme ça? Peut-être juste qu'on se parle. Fia, il est comme son père. C'est pas un parleux. Putain. Au début de notre mariage. Il
fois, je me demande si c'est pour les enfants. De toute manière, ça sert à rien de se tracasser pour un voyage que tu feras peut-être même pas. T'arrives même pas à placer les enfants. En tout cas, les filles sont placées. C'est Émilie qui va y garder. Émilie. Émilie Lambert. Elle est même pas capable d'élever ses propres enfants. Je ne peux pas savoir comment ça me fait de la peine, mais tu vois bien que je ne peux pas y garder. Avec mon Ephraim qui travaille ses chemins de fer, faut que je m'occupe de la ferme. J'ai même plus le temps de m'occuper de ma maison. Puis je voudrais pas négliger petite fille, ça, tu comprends? C'est correct, Émilie. Je vais m'arranger autrement. Bon, ben, à plus tard. S'en vient. Puis, c'est oui ou ben c'est non? C'est non. On a l'air bourgeois, nous autres. Avant hier, tu lui dis que c'est oui, puis là, tu dis non. J'ai bien pensé. C'est fatigant, trois filles, puis son talent d'apport de ça. Qu'est-ce qu'elle a d'affaire aussi à y aller avec lui? Est-ce que je pars, moi? De plus, Gia part encore cette année, comme par le passé. Pour aller photographier ses clients, eh bien, j'ai décidé de partir avec lui, même si je sais qu'il n'est pas d'accord. Après avoir tout essayé pour placer les enfants, chère ma tante, de vous demander de les garder, vous êtes mon seul recours.
tante. Ma mère. Ma tante est arrivée. Gia! Ma tante Alma est arrivée! Elle a rentré. Oh, c'est vrai, je suis niaiseuse. Tante, passez-moi vos valises. Mais c'est des beaux garçons, ça! Ah, eux autres, c'est mon oncle Alcide qui va les garder. Il doit venir les chercher demain. Ah, c'est Alcide. Ben, entrez! Venez vous asseoir, vous devez être fatigués. Les enfants vont s'occuper de vos valises. Entrez. On s'appelle rien, ça. Entrez! Gia, c'est ma tante Alma. Bonjour, mademoiselle Lachapelle. Bonjour, monsieur Martin. Il va falloir que je parte faire de la photographie avec une femme ses bras. Elle a fini par gagner. J'ai dit de donner 2 cuillerées pour le bébé. Puis c'est pas ça que ça prend? Oui. Mais la cuillère à soupe a fait 2 ordinaires. Ah. C'est-à-dire pas tout à fait 2 ordinaires, mais un petit peu plus qu'une. On est encore? Les enfants doivent bien être couchés à cette heure-ci. Oui, ils doivent bien. Mon Dieu, que c'est ça? Thank you.
sent le bon café. C'est chaud. OK, bon. Je pense que c'est la première fois en 15 ans que je fais pas le café le matin. C'est donc bien calme. J'espère que la tante Alma n'a pas trop de misère avec le bébé. On pourrait aller à Scott, le pont. Ça a-tu abouti? Le pont pour les chemins de fer ou le pont pour les voitures? Parce que le pont pour les voitures, il est pas encore fait. Bon. Coudonc! Que vous faites avec ça? Maigrez-vous pour les États? Ah non, non. Merci pour le renseignement. Hein. Salut, Ben! Bonne route! Hé, hé! Ensemble! À Dolores comme deux gouttes d'eau. Non. Ouais, ben je pense que je vais prendre mon repos. Et... À quoi tu penses? Rien. Toi? Ben moi, c'est à cause de la boîte. Tu sais, à Pâques, quand on s'est rencontrés,
parle? Mais tu sais bien, j'étais avec Adémar. Adémar, le vieux garçon? C'est pas de quoi tu parles. J.A. Martin, tu sais très bien. Ah, c'est bon. Joseph Albert Martin, tes yeux te trahissent. Ça, tu sais pas. J'étais tombé. Oui, puis t'étais pas beau à voir. J'avais glissé vraiment derrière. Tu sentais pas beau. Prenons la main à chemise au lieu de niaiser. J.A.? Quoi? Je t'aime! Moi aussi! Je sais bien que je parle toujours des enfants. Mais c'est plus fort que moi. Ils sont là. Au fond, je suis bien heureuse d'être avec toi. C'est la première fois qu'on est seul. Toi, es-tu heureux? J.A. T'écoutes pas, J.A. Ben oui, j'écoute. De quoi je te parlais? Je parlais des enfants. Ben non, J.A. Je te parlais de nous deux. Bon, ben, on va arriver à l'hôtel Gagnon bientôt. J'espère que Raoul va être là. Faudrait bien que je me change. Voyons, tu feras ça à l'hôtel? J.A., c'est-tu la dernière fois que je suis allée dans un hôtel? C'était pendant notre voyage de noces. Wow! On va en profiter pour décrocher le linge. T'es belle, ma femme. Je suis toute froissée. Regarde le faux pli, là. Ah oui, il n'y a personne qui va remarquer ça. Moi, je le vois. Hé, comment tu me trouves? T'es beau. T'es toujours beau, J.A. Mon Dieu, Madame Martin, que ça nous fait donc plaisir de vous avoir. Depuis le temps qu'on entend parler de vous. Vous faites un bon voyage. Oh, par là, c'est le bar. Oh, ben, ce soir, c'est un petit peu bruyant, mais c'est pas comme ça tous les soirs. C'est parce que c'est samedi. Ah, je vais être obligée de vous laisser quelques minutes. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Thank you.
belle créature, elle sait asseoir. Hein? C'est toi, hein? C'est une créature de passage. Je sais pas si elle prendrait un verre de bière avec moi. C'est vieux que j'y ferais pas mal. À votre goût, ce portrait-là? C'est un poseur de Québec. C'est moi, ça. Lui, c'est le poseur. Vous le connaissez? Je comprends, il vient ici de tous les ans. Mais justement, il doit venir prendre des portraits demain. Il est pas parleux, mais il voit clair. C'est sa femme qui est avec lui? Ah non, ça, c'est Valentine, ma grande amie. Enfin, c'était. Vous prendrez bien un petit verre de bière, hein? Mon Dieu, Raoul! Tu connais Mme Martin? Mme Martin? Ah! Vous êtes la femme Gia, puis vous me laissiez parler. Puis quand vous êtes arrivée, vous êtes bonne, vous! Moi, j'étais là, je parlais, puis... Gia! C'est qui, non? Dans le salon de barbier. Excusez-moi. Gia! Excusez-moi, Mme Martin. Gia? Moi, je l'ai fait rembourser à neuf. Gia! Mon Saint-Colibois! Ah ben, salut, Raoul. Hey, toi, tu me dois une game de poule. C'est ta soeur que t'as joué. Ah, ben là, je sais pas. Je suis venu avec ma femme. Ah, ben, si, je la connais. Je l'ai rencontrée dans l'entrée. C'est une belle créature en Saint-Colibois. Ça vient ici, ça touche à rien, ça dérange rien. C'est propre, c'est impeccable, des vraies petites cartes de mode. Oh, ils sont assez jolis, ces enfants-là! Hey, la patronne a voulu donner le... Ben, comme d'habitude. Bon, vous vous gâtez. Merci. Monsieur Beaupré, c'est un voyageur de commerce qui a l'habitude de venir ici avec sa... avec Madame Beaupré. Vous aimez? Tu peux monter dessus? Je dois aller te rejoindre dans une minute. J'ai encore des choses à discuter avec Monsieur Gagnon. Il nous prépare des beaux portraits pour demain. Venez! Je vais vous montrer les airs. Comment aimez-vous notre tapisserie? Hein? Si vous voulez vous laver, il y a tout ce qu'il faut là, dans le coin. Il y a de l'eau dans le pot. Vous ne regretterez pas votre séjour ici. Vous allez voir, c'est très confortable. Oh, mais mon Dieu, je suis là qui parle, puis vous devez être fatiguée. Hein? Vous voulez vous reposer, je vous laisse. Oui, je suis un peu fatiguée. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Oui, ça fait que ça va être comme l'année passée. Les gens vont venir après la grand-messe. Ah, c'est parfait, ça. Thank you.
Puis, comment tu trouves ça? Ah, la chambre, c'est correct, mais... Entends-tu ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est un hôtel. On n'est pas pour passer la nuit ici, certain. Écouter des affaires comme ça. Ça durera pas toute la nuit. Je veux pas coucher ici. Bon. Excusez-moi, Madame Martin, mais vous comprenez, M. Beaupré, c'est un voyageur de commerce, puis il travaille tellement fort que quelquefois, il est un peu bruyant. Venez, je vais vous installer ailleurs. Je vais vous donner le numéro 9. Vous allez voir, vous allez être très confortable. Alors, Madame Martin, ici, vous allez voir, vous allez être très bien. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne dans la chambre de droite. Vous allez dormir comme un ange. Excuse, Mme Gagnon. Oh, ben voyons donc! Ça m'a pas dérangé une minute! Au revoir. Bonne nuit, Mme Martin. Bonsoir. Il en reste encore une. Pour moi, tu vas perdre ton cinquantaine, mon Gia. On reprend ça, Gia. Qui est au double? Non, ça sera pas possible pour toi. J'ai bien des choses à préparer pour demain matin. Pour moi, t'es moins nerveux quand ta femme est pas là. Ouais, peut-être bien. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Gia. Bonsoir, Télésphore. Monsieur
Madame, vous êtes avec monsieur. Les enfants, vous êtes tout seul là-bas dans le fond, hein? Oui. Bon. Ça fait trois. Et puis... Ah! Harvey? Bonjour. Bonjour, madame. Bon. Ensuite... Ah, ben, les forciers. Bonjour. Bon. Alors, vous... Appuyez-vous sur le fauteuil. Comme ça. Hein? Essaie de redresser ta tête. Tu regardes la lentille. Hein? C'est pas trop dangereux pour les enfants, toujours, monsieur Martin. Oh non, madame Gendron. Pas ce costume-là, il va mourir de chaleur. Je le savais pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas clair. Là, c'est clair. On va prendre 5 minutes après à essuyer la sueur. Rosamé, viens donc tenir la toile. Une petite réflexion. Bon, tu peux plus en avoir. Est-ce que je paye tout de suite ou après? Tout de suite. Tu sais que je mets ça? Là, dans la boîte. Ben, vas-y donc. Il y a peut-être besoin de monnaie. Je peux pas tenir la toile de fond puis encaisser le client en même temps. Va d'abord chercher l'argent. Tu tiendras la toile après. Puis dépêche-toi, la lumière baisse. C'est correct. J'ai ce qu'il faut. Peux-tu t'aider? Non, non, j'en ai juste pour un petit moment. Ça a été bien utile cet après-midi. C'est la première fois que je faisais ça. Oui, c'est vrai. Avec la chaleur qu'il faisait là, tout le monde qu'il y avait, je deviens impatient. Pour moi aussi, il faisait chaud puis il y avait bien du monde. T'as raison. Viens te coucher. Tu finiras ça demain. Non, non, non. Demain, il faut que j'aille porter des photos. Il y a quelque chose qui te chicote depuis quelques jours. Hein? Est-ce que c'est tes enfants? T'as mieux de rester tout seul! T'es pas tout seul. On est ensemble.
pas pour l'imbécile Joseph Albert Martin. Ouais. Puis approche-moi pas! Puis sauve-toi pas! Je me sauve pas, j'ai rien à cacher. T'as rien à cacher, t'as rien à dire, y'a rien que ta maudite photo! Y'a rien que ça qu'on entend parler depuis 15 ans! Puis toi, y'a rien que des enfants qu'on entend parler depuis 15 ans! Ouais, mais les enfants, j'étais pas toute seule quand je les ai faites. C'est à toi aussi. Si t'en occupais un peu plus, peut-être que j'en parlerais moins. Je m'en occupe, à ma manière. T'en occupes, t'es jamais là. Je suis jamais là! Je suis toujours là! Y'a personne dans le canton qui est plus souvent à la maison que moi! Ben justement! J'aimerais bien ça, des fois, que tu partes travailler au champ comme tout le monde! Quand tu reviendras à la maison, peut-être que tu serais un petit peu plus là! Au lieu de te fourrer la tête toute la journée en dessous de ton maudit voile noir, à rien entendre, à rien voir! Y a-t-il quelqu'un? Pour moi, ils sont pas là. On s'arrêtera en venant. Juste une petite goutte, madame. Oh, je pense que j'ai quelque chose, là, Rosemée, qui va te faire plaisir. Qu'est-ce que c'est, madame? Oh, quelque chose que vous connaissez bien tous les deux. Bonne santé. Santé, madame. Ah. La photographie de notre mariage. C'était donc une belle journée. Ça dure pas longtemps. Vous avez pas changé. Vous avez l'air encore des jeunes mariés. Je crois pas qu'ils ont pas changé. Ça fait juste 15 ans. Mm-hmm. Nous autres, ça va faire 50 ans plus tôt. Mm-hmm. Oh, Adémar. Il est resté vieux garçon. Puis, il parle pas plus qu'il parlait. Vous allez rester à souper. Bien couché. Oh, j'aimerais bien ça. Puis, tu fais-tu toujours tes petites séances comme dans le temps, là, aussi que tu chantais? Qu'est-ce que tu chantais, donc?
Tu sais, l'affaire avec les souliers, là... Oh, mes souliers sont rouges. Mon amour, mes souliers sont rouges. Mon amour de mes beaux jours. C'est ça. Ça fait longtemps que je chante plus. Ah ben, Edmond, ben tu tombes bien. Hé, hey, Edmond, Edmond. Tout ce qu'il y prend dans lui, il te saoule. Allez, Edmond, Qu'est-ce qu'il te prend de déjeuner de même, notre ami? Hein, hein? Hey, tu déranges personne, je sais que c'est ça. Tous des gens que tu connais. Tu connais Gio? Celle-là, là, tu connais? Oui, je la connais. Hein? As-tu mangé? J'ai pas faim. Ouais, viens t'asseoir. On va te servir une bonne petite tranche de porc frais, là. Non, merci. Oh, ben, dis-moi, je pensais pas te voir. Te souviens-tu du petit gagné? Tipeee? Ouais? Ben oui, je m'en souviens. On n'était pas bien vieux. On devait avoir 11 ans ou 12 ans, maintenant. Oh, pas plus. C'était pendant l'école. Ben, des morts, ils m'attendaient toujours après la classe. Et puis cet après-midi-là, le petit gagné, v'là-t-il pas, il se met à me lancer des roches. À des morts, il se met à courir après, puis il t'y donne une mornif. Ben, le petit gagné, quand il est revenu à l'école, il manquait une dent. Eh ben, il manque toujours, cette dent-là. Elle l'a jamais repoussée. Es-tu sûr, tu voudrais pas un petit brin de graisse de rôti? Ah oui, donc. Elle est bonne. Facile, mais j'ai pas faim. Une petite chope de blanc. Et puis, qu'est-ce que tu fais maintenant? À l'hiver, je travaille dans un chantier. Il fait la cuisine. Il n'y a personne qui engraisse là. Donc, puis l'été, ben, il attend que l'hiver revienne pour retourner au chantier. Pas cet été. Là, il est en train de se construire une belle petite cabane dans le bois. Te souviens-tu de la petite cabane qui était dans l'arbre? On avait été dire notre beau air, puis entre chaque grain, on se donnait un petit dé. Ouais, puis t'avais une belle boucle bleue. Cheveux. Rosemée a toujours été bien pieuse. Mais les prières, c'est pas ça qui rafraîchit le gosier. Eh ben, en voilà une de morte. Je vais aller en chercher un autre. Ah, laisse faire, vous y allez.
quoi tu penses? À rien. Mon amour de mes beaux jours. T'as bien dans l'air de bonne humeur un matin. Si j'avais le bouche pas comme mon amour un matin. Sympa. Te plais-tu encore, J.A.? Pourquoi tu demandes ça? Parce que... Bien sûr. Je veux dire, physiquement... T'es drôle. Certain? C'est vrai que les hommes aiment ça, des femmes cochonnes? C'est qui te prend, donc, toi, à soir? Quand ça va être prêt, ça sera pas là. Hein? Oh! Vous êtes bien, Monsieur Blanchette?
tabarouette pas mal, hein? Ensemble! Allez! Thank you.
Peter, please. Go to your left. Mrs. Wilson, come forward. Oh, no, that's good. Thank you very much. Je veux pas que tu parles anglais comme ça. Oh, c'est le métier qui veut ça. C'est beau. J'aimerais ça, vivre dans une maison de même. Pour ça, faudrait que tu parles anglais. You won't forget the Mills. Mr. Scott is expecting you. No, I will not forget. Jolly good. Well, Mrs. Martin, Mr. Martin, have a splendid trip. Thank you very much. Bonjour, Monsieur Wilson. Au revoir. Ensemble. Sorry, Mr. Martin. Si vous pas faire des photographes now, there'll be no photographs. You understand? Pas de photographe. Ils ont juste 15 minutes pour dîner. Je suis certainement pas pour leur en enlever 5 pour faire la photographie. Well, j'ai mes ordres. Mr. Wilson. These men have got to be back in 5 minutes. Monsieur Wilson. Je pense que tu déçois bien du monde. Okay, boys, prends place, tout le monde devant Moulin. Come on, move it quickly, vite, vite, vite! Tout le monde en place pour le photographe! Si ça vous fait rien, je vais les placer moi-même. Suit yourself. I was just trying to help. Bon, ben, les plus grands en arrière, là, puis les enfants, ramenez-vous donc par en avant. C'est ça. Non, toi, t'es trop grand, là. C'est ça. Ramène. Allez, pousse-toi un petit peu. Laisse la place, laisse la place. C'est en haut, là. Prenez-vous donc par l'épaule. C'est ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ouais. Ah, la rangée du milieu, là, tassez-vous un peu. Voilà. Les enfants, vous oubliez pas, hein. Quand je vous dis bougez plus, vous bougez plus. Hein? Toi aussi, va prendre ta place. Non.
Not him. He was slacked a couple of days ago. Attention, il ne faut plus bouger pendant 8 secondes. Attention. Merci beaucoup tout le monde. Okay, boys, what are you waiting for? Time's up. Let's move it. Come on now. Come on now. Let's get back to work, okay, fellas? Come on. Monsieur Martin, c'est un petit tremblé, ça, puis il a été slaqué il y a deux jours. Puis il a été une occasion pour retourner chez eux, puis j'entends dire que vous passez dans le bout de Saint-Côme, puis si j'ai moyen de... Bien sûr. Il est mort de fatigue. Il me semble que ça n'a pas de bon sens que M. Wilson fasse travailler ces enfants-là 10 heures par jour, à une dizaine de l'heure. 5 manoirs, des écuries propres comme un presbytère. Faut bien qu'il fasse son argent quelque part. C'est Julie. On reviendra un petit peu plus tard. On sera peut-être réveillé. J'aimerais ça qu'il reste à souper.
Tu vois, là, on est ici. Il faut se rendre jusqu'à 50. Mm. Fait ben une trentaine de mille. Faut partir de bonne heure demain matin. J'ai une grosse noce à photographier samedi. J'aime autant partir de bonne heure demain matin que de voyager à nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Chut, parle pas trop fort. T'as pas entendu cette nuit? Non. Elle se plaignait. Mais ça m'a réveillée. Fait que M. Tremblay a décidé d'aller chercher le curé. Quand est-ce qu'il va être de retour? Il a dit qu'il serait ici avant la fin de la journée. On peut pas passer la journée ici. On doit être à Saint-Côme pour le souper. C'est comme ça. Viens voir. Là, M. Martin. Nettoyez ma lentille. Hey, on voit de l'eau. C'est ça. Julien? Ta mère voudrait te voir. Regardez, Madame Tremblay. C'est le pape, ça. Ça vient de Rome. Mais c'est là qu'il reste. C'est en Italie. Oh, puis ça, regardez, ça, c'est la France. C'est le château de Versailles. Il paraît que là-dedans, là, c'est plein de miroirs, puis il y a des tapisseries, puis des meubles tout dorés. C'est là que les rois de France y restaient. Oh, puis ça, c'est la ville de... Vous devrez revenir bientôt. Il est 4h15. Hein? Il me semble que je viens d'entendre quelque chose. Je te donne un coup d'œil dans la chambre. J'aimerais mieux que tu y ailles toi-même.
Bouge pas. Ça chatouille-tu? Même des enfants, celle-là. Elle a laissé tout seul à la maison pour venir se promener avec son mari. Si j'avais la belle chemise que mon amour m'a donnée. Si j'avais la belle chemise que mon amour m'a donnée. Ma chemise de contrebiche, mon corset en peau de navet, mes culottes de contrebas, ma jarretière par derrière, mes bas de tabac, mes souliers de papier. Je pense qu'on va aller voir ça d'un peu plus près. Hein, mon Gia? On va y aller tout seul, d'abord. Attention, on va faire la main.
cochon. Pour une fois, je reste pas poignée dans ma cuisine. Ça fait se préparer à manger et puis de laver la vaisselle, tu dis. J'ai été ridicule hier soir. C'est pas la première fois. Je pense que c'est toi qui avais raison, j'aurais bien dû rester à la maison. Ce que ça a donné. Bon. Apprends ça. Ça va te faire du bien. Non, pas de la boisson. Un vieux truc d'ivrogne. C'est bien bon pour les lendemains de la veille. On devrait être à la maison dans trois jours. Mon Dieu. Les enfants. Ça fait des jours que j'ai pas pensé à eux autres. Ami danse. Blanc et Martin qui reviennent. Ah, oh ben, maudit orieux. L'orgia qui revient. Ah, je suis content de le voir revenir, celui-là. Je commence à m'ennuyer, moi. Ils jouent là-bas. Ils ont pas vu. Oh, l'arbre, il est-tu beau? Regarde comme la galerie est blanche. Attends, on a le reste déjà vu. Ça mène en cours, hein? Tu dors pas? Mmh.
Laisse-la faire.